Pas de soucis, on y va. D'organisation derrière ça. J'espère que ça va pour tout le monde. On est déjà une dizaine, c'est cool. Qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui? Je sais que pas mal de gens ont pu avoir accès aux caves dernièrement. Ça a réouvert. Cool. Moi, j'ai fait mon flemmard. Je bois mon style préféré, Black IPA, une petite bière que j'ai brassée il y a un mois et demi avec Julie du Beer Market et Adrien du Sur-Mesure. C'était un petit brassin fun. Et on a une petite Black IPA bien aromatique qui titre à 5,3. Donc on est pas mal, c'est très très bon. Bon évidemment, c'est pas à la hauteur de certaines Black IPA, notamment celle de Nautil à Rosé. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi dans le chat si vous avez besoin de quoi que ce soit en info. Je vais faire les petites introductions normales, basiques. Basiques, normales. Qu'on fait toujours d'habitude, je coupe juste le son. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, il est à vous une fois de plus. J'avais un petit truc à dire, j'en ai parlé dans quasiment tous les lives, mais la fameuse cagnotte de la tournée pour les brasseurs a été distribuée. Et cette fois-ci, je dis pas de conneries, on a atteint 260 €. Les brasseries participantes, c'était Bimad, Nautil, Hills, les bières de Charlotte, il y a le Bubar, il y a Nautil, j'ai déjà dit Nautil, Aerofab, allez je triche, j'essayais de le faire, et je crois que j'ai dit tout le monde, au Malt, pardon, au Malt, le Bubar, Bimad, Nautil, Hills, Aerofab et Charlotte, donc 260 € qui ont été distribués au personnel du service de réanimation de Nantes, et merci à Josh et je sais plus qui était avec Josh, mais en tout cas merci pour cette initiative. Pour rappel, c'était acheter des bières apricotant auprès des brasseries partenaires pour les redistribuer après sous forme d'apéro gratifiant pour les services soignants. Voilà.
Petite actu aussi d'aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a personne dans le chat, c'est normal? Abonnés, discussion. Oui. Seuls vos abonnés peuvent laisser, seuls les commentaires le plus. Discussion. Non, non. Pourquoi j'ai mis ça normal? Écoutez, je mets plusieurs, je vais voir ce que ça donne. Je verrai s'il y a un souci ou pas. Ça me paraît. Écrivez dans le chat ceux qui sont là. Ça me paraît bizarre que ça s'affiche pas. Ça me paraît assez bizarre, ouais. Écoutez, je vais essayer de régler ça quand on aura notre invité. Ça serait intéressant d'avoir des questions. Voilà, je voulais vous parler aussi d'un décret de loi qui vient de passer, qui a été bien poussé par le SNBI, donc le syndicat national des brasseurs indépendants. C'est un texte de loi qui vise à encadrer l'étiquetage, notamment sur la provenance et le nom, enfin, le lieu de production et le nom du producteur de la bière, pour éviter de vous retrouver avec des bières comme la Nantel qui est faite dans le Var, je crois, ou la Cagole de Marseille qui est faite en Pologne, ce genre de choses. Donc ça a été bien poussé par le syndicat et ça vient de passer. Donc c'est plutôt pas mal. Et je suis toujours en galère de ce fameux chat. Ah mais faut que je coche tout. Ah non, faut que je décoche tout. Évidemment, tout me fonctionnait sauf ça. Et maintenant, voilà. Bon, si vous avez un clavier, c'est le moment de l'utiliser. Pour information, mercredi prochain, il y a un atelier avec la Hulotte à Sautron. Donc, il reste encore quelques places, il me semble. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez tous les liens, une fois de plus, dans la description du chat. Il faut écrire minimum 100 commentaires. Non, mais c'est bon. Merci. Salut Pierre-François. Salut Alexandre. Merci, merci Amirouche. Ok, en fait, fallait tout décocher. Très bien. Bon. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Bon, bah, vous pouvez me redire ce que vous êtes en train de boire. J'ai prévu une petite bière de ma cave tout à l'heure. Je vais vous lancer aussi une petite question dans le chat pour savoir, parce que là on a été déconfiné, on est passé d'une formule hebdomadaire qui fonctionnait bien, mais après, bah, moi j'ai du temps, il me faut du temps pour bosser aussi. Donc je vais vous poser une petite question de type chat, et vous allez me dire ce que vous en pensez pour savoir à quelle périodicité on va faire ces fameux craft beer live. Est-ce qu'on fait ça de façon hebdomadaire? Est-ce qu'on fait du bimensuel? Est-ce qu'on fait du comment? Mensuel. Sans plus tarder, on va inviter Franck. Franck, est-ce que tu peux te démute et est-ce que tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends bien de mon côté. Ok, alors normalement, tout le monde va choper une espèce de. Je crois que tout le monde va choper une espèce de d'écho, mais vous allez me dire dans le chat ça fonctionne. Je fais la petite transition et tu viens d'apparaître, c'est magique. Plus le temps passe, mieux c'est, mais c'est normal. Est-ce que ça va, Franck? Bah écoute, ça va, en forme, j'avais hâte d'assister à ce podcast. Ben c'est cool. Alors toi, j'ai cru voir que t'avais pris une petite bière. Des gens avec qui tu bosses, hein, qui t'ont soutenu dans ton projet. Galia et j'ai son amante, comme ils le disent, l'au-delà au frigo, puisqu'ils conseillent de la boire soit seule, soit accompagnée en mélangeant avec l'au-delà. Ok. Bon, on est plus ou moins accompagné là. On considère qu'on est accompagné à partir de 10 personnes. Voilà, il y a 10 personnes dans le chat, c'est bon. Écoute, je suis content de t'avoir parce que ben, on va être franc avec tout le monde, on se connaît pas. Moi, j'ai découvert ton projet par bouche à oreille parce que tu étais sur le Salon des Brassés en 2018 à Nantes. Et après, je t'ai revu, t'as dû passer dans une bière et j'y vais aussi, furtivement. Et C'est ça. je crois qu'après, au fur et à mesure de ça, avec mon activité, j'ai cherché à voir un petit peu tout ce qui se passait dans la bière en dehors de la production de bière, quelque chose d'assez évident. Et je suis tombé sur toi et c'est vrai que comme projet atypique et innovant, bah c'est plutôt pas mal, en tout cas pour le milieu de la bière. C'est flou, il me dit. C'est très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, toi personnellement, et puis on parlera évidemment de ton projet par la suite. Ouais, carrément, avec plaisir. Bah, déjà, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui regardent. Moi, je m'appelle Franck, j'ai 26 ans et ça fait bientôt 2 ans et demi que je travaille sur le projet dont on va parler. J'ai fait en fait 6 ans d'études en ébénisterie
avant de partir travailler un an en Thaïlande. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert en fait les notions de design que j'ai souhaité en fait approfondir à mon retour en France. Et faute de moyens, donc j'ai travaillé à Angers en tant qu'ébéniste pendant un an pour pouvoir en fait me payer mes études à l'école de design Nantes-Atlantique, où d'ailleurs est née cette idée de mélanger à la fois mon savoir-faire d'ébéniste et ma passion pour la bière, qui est arrivée à peu près au même moment que quand je suis arrivé à Nantes. Donc voilà. Ah, t'as cette, tout est arrivé en même temps, quoi. L'idée, enfin, en tout cas, le savoir-faire et l'idée est arrivé en même temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'était assez chronologique pour le coup, une belle synchronicité, comme on dit. Ouais. Alors, quand on traîne un peu sur ton site perso qui est super bien fait, on sent quand même que derrière t'as un gros background dans le visuel ou en tout cas dans la créa visuelle parce que tu fais un peu de photos aussi, tu fais un peu de design sur du mobilier, mais tu fais aussi design en graphisme. Enfin, c'est le sentiment que j'ai quand je regarde ton site. Bah, carrément, après, c'est forcément quelque chose que j'ai souhaité développer pendant mes études à l'école de design. On avait des cours en graphisme, on avait pas mal d'infos et d'outils là-dessus. Après, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. On peut avoir un bon projet, mal communiquer dessus, c'est malheureusement, ça dessert beaucoup. Donc c'était quelque chose que ouais, j'ai grave travaillé pour pouvoir faire passer le bon message avec une identité graphique qui soit la mienne, quoi. Là, tu as l'avantage de ne pas avoir cette contrainte de faire appel à quelqu'un, Ouais, comme cas, tu vois, par exemple, de faire appel à quelqu'un parce que tu as déjà cette corde à ton arc sur la créa, ça te permet aussi sûrement d'avancer plus vite sur ton projet. On sait tous les deux que d'être entrepreneur, c'est pas évident. Être comptable, graphiste, expert en stratégie de com et à la fois faire ton propre boulot, c'est assez compliqué. Toi, tu arrives à faire le lien entre toutes ces choses-là. Je posais la question dernièrement à un brasseur et il disait que 20% de son taf, c'est de brasser, le reste, c'est complètement autre chose, tu vois. Est-ce que dans l'intitulé de ébéniste, designer, tu fais beaucoup de design en soi, dans ton agenda de la semaine? Ouais, bah en fait, pour le coup, il y a des phases, hein. Comme pour le brassage, il y a un moment pour tout. À un moment donné, il faut brasser, à un moment donné, il faut vendre, et à un moment donné, il faut déguster. Donc il y a toutes ces étapes qui forcément s'entremêlent, surtout que je suis tout seul dans le projet. Donc ça prend beaucoup de temps. Par contre, j'ai la chance de cumuler un peu cette activité-là avec un travail d'assistant d'éducation dans un lycée professionnel, là où d'ailleurs j'ai été diplômé en ébénisterie. Donc en fait, je bosse la nuit dans un internat. Et la journée, je bosse sur le projet. Donc en fait, je suis plus ou moins à 100% là-dessus. Donc ouais, après, faut savoir se caler. Et le design, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours tant que la première pièce qu'on a dessinée, elle n'est pas produite. Donc là, j'ai passé. Je pense que le produit qui va être industrialisé, il a commencé à être dessiné au mois d'août. Et j'ai envoyé les plans pour l'usinage du moule, enfin on va revenir là-dessus après, au mois de décembre, fin décembre. Donc pendant cette période-là, je mangeais, je dormais design, quoi. Ok. Je pensais aux produits constamment. T'as eu le temps d'en bouffer, d'en faire des petites réserves et quand t'en fais plus, d'y repenser quoi. Toujours un Ah peu bah ouais, mieux. de toute façon c'est ça, hein. Ça se dessine pas au bout de 10 minutes, hein. Ouais. Un bon produit, c'est quelque chose qui a besoin de temps pour mûrir, quoi. T'as pas eu cette urgence, moi je sais que je l'ai pas mal sur mon activité, cette urgence de te dire tous les jours où ton produit est pas sorti, c'est des jours perdus. Tu t'es pas senti là-dedans? Moi, je suis un peu comme ça en ce moment là. Je sens que, surtout avec le confinement, sortie de confinement, ça accélère un peu la donne, mais ce sentiment d'urgence de devoir sortir le produit vite. Ah bah si si forcément parce que j'en ai dessiné des quantités industrielles, hein, des tableaux avant de sortir le premier. Donc à chaque fois après il y a un truc qui est quand même hyper important aussi là-dedans, c'est de savoir se remettre en question, de savoir se dire non mais là c'est pourri ce que je viens de dessiner, il faut que je recommence. Et quand on pense avoir dessiné quelque chose de bon et qu'on le confronte à la technique, parce que forcément le design c'est quelque chose, on peut faire n'importe quoi avec du papier et un crayon. Par contre, quand on commence à réfléchir à la façon dont ça doit être fabriqué, par rapport aux contraintes des process, par rapport à plein de choses, à l'ergonomie, on se rend compte que ça va pas et parfois il faut recommencer à zéro. Et finalement, c'est un travail qui est hyper frustrant, mais je pars vraiment du principe que cette frustration, c'est un outil pour arriver à la fin avec un produit et pouvoir dire, bah, non, mais en fait, ça, je l'ai déjà testé, ça marche pas. Là, je suis allé déjà là-dessus, ça rendait pas aussi bien que ce que je suis en train de faire maintenant. Ou voilà, enfin, en fait, l'itération, c'est obligatoire dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a donné des feedbacks? T'as ton entourage ou t'as justement, tu vois,
parlais de Galia, avant même de sortir vraiment le produit, tu vas voir des gens, tu leur dis est-ce que ça vous intéresserait? Ouais, bah en fait, du coup, là j'ai parlé du projet en lui-même, j'ai parlé de mon poste d'assistant d'éducation, mais en fait, il faut savoir que dans ce même lycée, je suis incubé, donc c'est le lycée des métiers d'art de Saint-Quentin, dans l'Aisne, et donc la journée, mes locaux, ils sont dans le lycée où je travaille le soir. Donc ça me permet de pouvoir en fait montrer mes différents dessins ou protos à d'autres enseignants, profiter de l'expertise un peu de tous les enseignants de différentes filières qui ont un regard bien précis sur différentes choses. Et ça, franchement, c'est hyper précieux pour faire mûrir un projet. Hein. Et au-delà de ça, je suis incubé Eura Technologies, qui est un incubateur business des Hauts-de-France. Et pour le coup, voilà, il y a une antenne à Saint-Quentin, mais la plus grosse antenne, elle est à Lille. Donc j'ai eu la chance incubateur-là pour bosser sur tous les aspects économiques, chaîne de valeur, vraiment savoir où est-ce que je devais concentrer mes efforts dès le début, parce que je suis tout seul, donc là c'est un gros travail aussi là-dessus. Bon, on va parler vraiment, on va rentrer dans le dur parce que faut présenter ton projet. Donc, toi, à la base, t'as tout ce background diplômant et ton idée, c'est de valoriser donc les dresches, donc qui est un déchet du brassage de la bière, pour en faire du mobilier. Donc, pour rappel, les gens, les dresches, donc on fait notre empattage, on a notre mélange céréales et eau, et on va en tirer un moût, un jus sucré pour faire notre bière. Le déchet qui en s'ensuit, ça va être tout ce qui n'est pas utilisé, tous les solides, et c'est ce que Franck utilise pour faire ses. Donc là, tu fais des tabourets, j'ai vu que tu avais des sous-bocs au début, et voilà. Donc, ma question, elle est assez simple, comment tu arrives à cette genèse? Tu te dis, tu vois ce produit-là? On va le valoriser. Et après, plus technique, comment tu fais pour que ces dresches-là, ça devienne solide en fait? Yes, ok. Et bah écoute, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, donc j'étais en dernière année à l'école de design de Nantes, comme je le disais, et donc c'est là que j'ai découvert en fait le process de brassage de manière générale. Donc, la bière, l'eau, la levure et les houblons. Et c'est là que je me suis posé la question à savoir ce qu'on faisait du malt en sortie de cuve, en sortie d'empattage. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette matière-là. Je suis allé voir un premier brasseur qui était Les Brassés à Nantes. Et j'ai récupéré quelques kilos de dresh histoire de voir un peu à quoi ça ressemblait. C'était vraiment une idée hyper brute au départ. Et bon, quelques jours après, je suis venu voir un peu ce que ça donnait. Je l'avais laissé traîner dans un coin. Et c'était d'ailleurs la première fois que je me suis confronté à cette fameuse problématique de la dresh qui fermente et qui a une bonne odeur pour le coup. Donc c'est pas grave. Deuxième round, je suis reparti en rechercher un peu. Je l'ai séché. Et puis en fait, j'ai commencé à travailler sur petites et simples expérimentations. En fait, l'objectif pour mon diplôme, c'était pas forcément de sortir une solution industrielle qui fonctionnait, qui était déjà économiquement viable. C'était juste de mettre une image sur le concept et de raconter l'histoire qu'il y avait avec. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, je parle bien en moyenne, il faut 300 kg de malt pour brasser 1000 litres de bière. Et quand on sait qu'en France, en 2019, on en a consommé plus de 2 milliards de litres. J'ai pas besoin de faire de calcul, hein, mais pour le coup, ça fait quand même beaucoup de zéros, beaucoup de tâches à revaloriser. Et en fait, en 2006, quand il y avait que 250 brasseries sur le territoire, la question de la revalorisation des dresh, elle se posait pas trop finalement, parce qu'on la donnait à l'alimentation pour le bétail. Il y avait une logistique pour aller voir les agriculteurs, ou même c'est les agriculteurs qui venaient chercher les dresh chez le brasseur et qui étaient dans les champs, qui en faisaient un peu tout ce qu'ils voulaient. Mais au Tout en final, n'oubliant pas de les sécher une fois de plus, parce que si ça refermente dans le bide de la poule. ah ben non, justement, elles sont pas séchées parce que eux, ils veulent pas se prendre la tête. Ils versent en fait la dresh comme ça et peu importe si c'est fermenté ou pas. En fait, c'est pas gênant pour les bêtes. A priori, Ah ils ont un ouais? système Moi digestif qui j'avais est. cru entendre que il fallait vraiment les sécher même pour les bêtes parce que tu avais quand même une problématique dans la digestion du bétail si refermentation à l'intérieur tu vois. Si c'est donné, en fait, si c'est donné la journée même ou le lendemain, les Ok. bêtes manger tout d'un coup, donc ça aura pas le temps de fermenter. Par contre, c'est clair que si la dresh elle reste déjà 3 jours dans la brasserie et 2 jours plus tard aux bêtes, là ça peut poser des problèmes. C'est ça. C'est cette situation. C'est ça. Et donc en fait, je fais le parallèle avec aujourd'hui, forcément, parce qu'on a plus de 1800 brasseries sur notre territoire. Et comme je disais, les brasseries en 2006, elles étaient souvent implantées en milieu rural. Mais aujourd'hui, la tendance, elle est à la brasserie artisanale, au plus proche de chez soi. Et c'est tant mieux. Sauf que, bah, avec ça, les brasseurs, ils ont accès à beaucoup moins de logistique.
En tout cas, je parle de Paris, métropole, Lille ou même ailleurs. En fait, il y a beaucoup de brasseries pour beaucoup de drèches, pour de moins en moins d'agriculteurs finalement, parce qu'on voit qu'aussi derrière la consommation de viande, la consommation de produits issus de l'agriculture animale, elle est en baisse. Donc en fait, la drèche, les brasseurs, et en tout cas certains, galèrent pour s'en débarrasser. Et même au-delà de ça, je considère sincèrement, et même dans un contexte et dans un modèle économique comme celui d'aujourd'hui, où on met l'économie circulaire, l'écologie au cœur de tout ça, je pense qu'il est plus important de faire du bien propre à la consommation de l'homme que de passer finalement par des intermédiaires quelconques. Mais au-delà de ça, il y en a suffisamment qui partent en méthanisation, dont les brasseurs doivent payer d'ailleurs pour traiter leur drêche par cette filière-là. Je prends l'exemple de Gallia qui paye entre 150 euros et 200 euros la tonne. Quand on sait le nombre d'hectolitres qu'ils brassent, ça fait encore beaucoup de zéros derrière tout ça. Mais au final, voilà, la quantité aujourd'hui, elle n'est pas un problème parce que pour faire un tabouret, il faut brasser 6 litres de bière. Ah ouais, Donc quand on fait la ratio avec les 2 milliards de litres qu'on a consommés, je peux vous dire que le jour où je revaloriserai tout, on m'appellera le géant suédois. Donc en fait, on pourrait même pour les brassams, petits brasseurs amateurs qui font 30 litres dans leur garage, il y a moyen de récupérer ces drèches pour du mobilier. En général, tu le mets dans ton compost, mais on pourrait suivre tes traces à essayer de valoriser ça en mobilier. Bah, c'est ça, en fait, 6 litres de bière, un tabouret. Alors je parle aussi en matière humide, parce qu'après le ratio matière sèche, quand on parle de matière revalorisée, moi je la comprends en matière humide, parce que c'est l'entièreté qui est valorisée, dans le sens où c'est cette quantité-là dont on a besoin pour brasser tant de litres de bière. Après, c'est clair qu'avec les 70%, 75% d'humidité qu'on a dans la drêche, on perd quand même pas mal à la sécher. Mais c'est forcément important, hein, parce que j'imagine pas compresser ma drêche humide. Enfin, ça me ferait une pâte à crêpes, quoi. C'est pas possible de s'asseoir dessus, en tout cas. Mais pour revenir du coup sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la notion de déchets, en fait, moi, mon concept que j'appelle le mobilier brassé, c'est finalement pas qu'un simple jeu de mots, parce que si j'utilisais du malt, qui lui n'était pas brassé, en fait, je pourrais pas faire du tout ce que je fais aujourd'hui, et mon process, notre formule, elle fonctionnerait pas. En fait, il faut que le malt soit brassé, puisqu'on sait qu'au moment de l'empattage, ce qu'on va chercher, c'est à avoir un jus sucré. Donc, même les drêches, après les avoir rincées, il y a toujours du sucre qui reste à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que, comme en cuisine, quand on fait chauffer du sucre et qu'en plus on le compresse, bah, ça caramélise. C'est une sorte de polymère naturel, en fait. Et ce sucre-là, j'en ai impérativement besoin. Donc, si je prenais du malt, qui est une matière première et qu'on ne considère pas comme un déchet, ça ne fonctionnerait pas. Donc, finalement, c'est là où je dis que vraiment les drêches de brasserie, elles sont pour moi une matière première de seconde main, une matière première qui a été brassée pour pouvoir faire du mobilier brassé. Et voilà la notion la plus importante du concept. Après, par rapport à ça et grâce à ça, on utilise 98% de drêches de brasserie dans nos pièces et seulement 2% de liant qui permet l'imperméabilité et surtout la durabilité des produits, parce que forcément, un tabouret, ça s'effrite. Bah, le Donc, mobilier de part, on est au courant un peu de la façon dont ça peut être utilisé, ouais. plus ou moins pour son usage de base ou pas. Ouais, tu as besoin quand même, au-delà d'avoir un produit solide, tu as besoin d'un produit qui résiste à des usages Intensif. intensifs, voilà, c'est ça le mot. Ouais, carrément. Carrément. Donc voilà, et en fait la transition, elle s'est faite par rapport à quand je parle de formule, quand je parle de principe de sucre, etc. Moi, en 2018, quand j'ai été diplômé en juillet, je suis sorti de l'école sans réellement savoir ce que je voulais faire avec ce projet. Moi, je voulais surtout pas reprendre mes études parce que là, j'en avais marre. Après 8 ans d'études, je voulais pas repartir dans un master et faire des cas pratiques. Je voulais aller dans des cas concrets et voir comment arriver dans l'entrepreneuriat et faire en sorte que mon savoir-faire et ma passion deviennent quelque chose qui soit en relation avec mes valeurs. Et donc j'ai commencé à chercher des partenaires industriels et c'est là que je vais faire la parenthèse avec le nom de l'entreprise que j'ai créée qui s'appelle Instead. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec la drèche en elle-même comme j'ai pu en fait au début réfléchir en termes de nom. Mais Instead en anglais, pour ceux qui ne savent pas, qui signifie en fait c'est une alternative à, au lieu de, en fait c'est pour opposer deux choses.
Et en fait, la volonté en sortant d'études, ce n'était pas forcément de créer tout un nouveau process, de créer un nouveau lien, de créer plein de choses très complexes, surtout avec la seule personne que je suis dans l'histoire. En fait, c'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut modifier des process existants, comment est-ce qu'on peut modifier différents éléments existants de façon à ce que la solution finale elle soit plus éco-responsable que ce qui est initialement produit en fait. Et c'est comme ça que ça a démarré et que j'ai cherché à rencontrer des industriels dont le process pouvait correspondre à la matière. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le process du bois moulé. À l'origine, ce process, c'est des copeaux de bois que l'on agglomère donc avec de la colle et qui font ce qu'on voit le plus souvent, c'est des palettes moulées en 3D avec des formes complexes. Mais bref, c'est de l'aggloméré 3D, tout simplement. Donc c'est juste que ça donne une singularité à la forme, ça a des principes de résistance quand même très importants, et c'est économiquement très intéressant, parce que si on en fait des palettes, c'est que le process en lui-même, il est accessible, quoi. Et donc j'ai contacté plusieurs entreprises, en sachant qu'il n'y en a que trois en Europe qui ont ce process-là d'une façon industrielle. Plusieurs étaient complètement bloqués avec leur ligne de production pour des clients bien définis, pas de prototypage possible. Donc en fait, je suis rentré en contact avec une autre entreprise qui aujourd'hui est dans le sud-centre de la France et qui avait des machines de prototypage pour pouvoir en fait mener des tests et voir où est-ce qu'on pouvait aller avec cette matière. Et donc du coup, avec mes quelques kilos de drèche dans l'avion, je suis descendu pour voir ce que ça pouvait donner un peu et surtout hein, se rendre compte en fait d'où est-ce qu'on pouvait aller avec ça. Est-ce que ça s'arrêtait là ou est-ce qu'en fait il y avait du potentiel? Et finalement, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel, notamment le fait d'intégrer que 80, enfin, d'intégrer jusqu'à 98% de drèche. Et de réduire des facteurs de temps, de température, de compression, enfin bref, tout ce qu'il faut pour avoir une pièce à un impact carbone réduit en sortie de production, quoi. Et quand tu vas dans cette entreprise-là, c'est juste de la mise à disposition de moyens ou tu as aussi quelqu'un qui vient t'accompagner avec une expertise et des savoir-faire peut-être sur d'autres matériaux, mais c'est toi qui y vas et genre tu te débrouilles? Bah, là, pour le coup, j'ai quand même des échanges très intéressants avec le partenaire industriel dont je parle, qui eux sont forcément spécialisés dans leur process. Donc par rapport à ça, ils ont aussi su juger ce qui était possible ou pas. Et après, je pense que je ne suis pas non plus inconnu en termes de connaissances par rapport à leur process, par rapport à la matière. Donc en fait, on a mutualisé tout ça pour avoir une solution telle qu'elle est aujourd'hui. Donc là, concrètement, pour ce matériau-là, donc on récupère des drèches, c'est fait entre la mélasse et la farine, quoi. Il y a un truc un peu, c'est plus gros que du sable, un peu comme si on avait des grains de riz mouillés, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, tu le mets dans les sacs, tu descends en avion. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on a ce qu'on a là et les fameux 98% de drèches solides où on a, allez sur le site de Franck, vous pourrez voir, où on a cette fameuse petit morceau de bois là, ou de pas de bois du coup, de drèche solide. C'est quoi? C'est Alors, compressé? pour ce qui est sur le site, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était le petit prototype visuel. Donc là, il y a 50% de colle vinylique de chez Leroy Merlin et 50% de drèche. C'était vraiment le prototype visuel pour se rendre compte en fait du concept, mettre un visuel en fait sur l'idée. Mais le produit qui sera industrialisé et avec lequel on a fait beaucoup d'expérimentations, ce sera pas ça, ce sera quelque chose de plus conséquent. Sur le site, il n'y a qu'une partie. C'est parce que je ne pouvais pas faire plus dans mon petit appartement. Donc, j'ai bossé sur la singularité et sur le potentiel en fait, du process et de la matière. Mais aujourd'hui, toute l'assise du tabouret, elle sera faite en drèche. Donc, ce qui se passe entre le moment où vous récupérez les drèches et au moment où elles sont compressées, bah, c'est tout simplement le séchage. Aujourd'hui, et c'est temporaire, mais il y a un acheminement qui se fait de la matière, que ce soit de la matière d'ici ou de la matière de là-bas. Hein, mais pour l'instant, le seul endroit où je peux produire, c'est là-bas. Et Ok. c'est temporaire parce que l'objectif et l'ambition, c'est de monter une unité de production dans les Hauts-de-France, entre Lille et Paris, pour pouvoir être capable de gérer une plus grosse quantité de matière, en sachant qu'avec une seule presse, on a une capacité journalière de production de plus de 100 pièces. Donc c'est un potentiel assez important en termes de reproductibilité. Est-ce que enfin, aujourd'hui tes partenaires, est-ce qu'il y a que ce fameux. Hop, j'ai freeze, désolé. C'est bon, j'ai plus freeze. Ah oui, petite info pour le chat, si vous faites un don, vous avez le droit à une magnifique image d'annonce de ouf. Je vous la remets.
Je me suis trippé dessus. Bon, bref. Parenthèse finie. Donc là, tu as cette fameuse boîte Indus pour produire. C'est qui tes partenaires aujourd'hui? Parce que il faut que tu produises, il faut que tu fasses ta com. Donc ça, a priori, tu as les bagages pour le faire. Faut que tu puisses le vendre à des clients. Est-ce que tu as des soutiens financiers aussi, que ce soit dans ta boîte ou des partenaires commerciaux? Comment ça marche? Qui sont tes partenaires privilégiés, quoi? Qui t'appelle dans la semaine? Bah, aujourd'hui, j'ai un partenariat technique, donc l'usine de production dont je parle depuis tout à l'heure. Après, mes partenaires principaux par rapport à l'évolution du projet, ce sont mes amis, ce sont le cercle de connaissances, ce sont un peu. En fait, moi, je sors d'études vraiment budget zéro pour lancer un projet comme celui-ci. Et aujourd'hui, grâce aux différents caractères innovants et écologiques de ce projet, j'ai pu obtenir des subventions, j'ai pu obtenir de l'accompagnement. Donc là, c'est pareil, on parlait de casquette tout à l'heure, mais la casquette du mec derrière son ordi qui fait de l'administratif pour pouvoir choper quelques milliers d'euros pour sortir un projet qu'il ne voulait pas enterrer, ça, franchement, c'est des heures de galère et des heures de questions à se dire, est-ce que j'arrête pas tout parce que là, c'est trop chiant, je me range. Où je suis payé et terminé. Et en fait, bah c'est là où en fait c'est stimulant parce que tout dépend de ça, tout dépend de l'acharnement qu'on va donner. Et c'est là où en fait on se rend compte que si on ne travaille pas, ça vient pas en claquant des doigts comme Ouais. ça. Puis toi, en sortie d'études, t'as pas forcément non plus le comparatif avec, entre guillemets, la facilité d'un poste de salarié avec les avantages et les inconvénients que ça apporte. Mais toi, tu rentres directement dans le dur en entrepreneuriat là-dedans, quoi. Bah, j'ai quand même côtoyé le milieu professionnel pendant quelques années, parce que j'ai bossé à Angers, j'ai fait beaucoup de stages, je me suis bien rendu compte de ce qu'était le métier d'ébéniste en tant que salarié, en tant qu'ouvrier pour le T'as eu coup. le temps de comparer. Ah bah ouais, c'est surtout, j'ai pu me dire que c'était pas ce que je voulais faire, quoi. L'ébénisterie, qui est quand même quelque chose de très important dans ma vie, c'était pas le mettre à profit forcément pour quelqu'un qui t'impose ses process, qui t'impose ses valeurs, qui t'impose des trucs juste pour gagner de l'argent, quoi. Et éthiquement parlant, ça ne me convenait pas. Moi, je voulais que ça soit au service en fait de cette troisième révolution industrielle dont on parle et qui est celle de l'évolution durable en fait de mon métier d'ébéniste. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, associer ce savoir-faire avec ma passion pour la bière, je ne pouvais pas mieux tomber. Il n'y a pas plus stimulant parce que quand on rencontre des brasseurs avec qui on parle de ça, c'est super sympa, c'est friendly. Et d'ailleurs, enfin, c'est ce qui me motive, hein. C'est de pouvoir continuer à goûter des bières, continuer à me dire, ah, bah, ça pourrait être sympa ce genre de dresh-là, la couleur qu'elle a, ce que ça pourrait donner. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, le seul produit que je vais sortir pour la fin d'année, c'est le tabouret, enfin les tabourets et les sous-bocs. Mais ça, c'est que la première étape, parce que les moules ont un coût quand même hyper important. Et là, pour un moule de tabouret, on est entre 20 et 30 000 euros en fonction des outils de production. Mais ça, faut le payer. Et surtout, après, il faut pouvoir enfin, se dire, est-ce que ça va se vendre? À quel prix? Combien est-ce que les gens sont prêts à mettre? Donc, en fait, il y a énormément d'incertitudes dans ce genre de projet. La façon dont on se lance, c'est. Et c'est pour ça que j'ai le job d'assistant d'éducation. C'est un parachute. Si demain tout s'écroule pour Instead, j'ai toujours cette casquette-là. Et ça aussi, c'est mûrement réfléchi parce que, enfin, Bah, je peux pas me retrouver à la rue sans solution, quoi. là, je rebondis sur ce que tu disais sur avoir des fonds, la galère du début en partant de 0 euro. Est-ce que dans les concours que tu as pu faire, parce que ben, tu vas nous dire, mais j'ai cru voir que tu avais fait des concours en design, tu as fait des salons, des expos. Est-ce que là, c'est juste de la visibilité sur un domaine particulier, le design, ou est-ce que derrière, c'est des espèces de concours à la bourse ou des concours de soutien ou ce genre de choses? Bah, y a un peu de tout, forcément. C'est de la visibilité qui vont amener un contact, ce contact-là te dire qu'il connaît un concours, qui peut t'emmener. En fait, c'est encore une fois, c'est le bouche à oreille. De la même façon que celui de là aujourd'hui, hein. T'as entendu parler du projet au Brassé en 2018. Donc, c'est comme ça que la communication se fait, en tout cas autour de moi. Par contre, pour l'aspect financier des concours, non, il y en a certains où j'ai participé ouais, dans le but de gagner cette somme-là, comme notamment le premier prix que j'ai pu décrocher au niveau national des trophées de la bioéconomie. Donc ça, c'est un concours proposé par le ministère de l'Agriculture.
Et la remise des prix a été faite au salon de l'agriculture, quelques jours avant que tout ça ne Que tout ferme. ferme. Donc là, j'ai eu un peu de chance pour le coup. Mais ouais, ça, c'était une somme de 10 000 euros, je crois, que j'avais gagné. Donc quand on additionne ça avec les subventions, avec d'autres accompagnements, et puis après, forcément, quand il y a des caractères innovants, on peut prétendre à certains prêts qui sont privilégiés, quoi. Donc ouais, faut risquer le coup. Il n'y a pas de certitude dans tout ça. Faut essayer et puis on verra bien, quoi. De toute façon, si on ne le fait pas, on ne regrettera pas d'avoir fait. Et c'est pas ce que je veux. Ouais, moi j'aime beaucoup ton profil parce que bah, pour être dans le milieu brassicole, moi j'ai plutôt eu affaire à des. Mon entourage c'est plutôt des brasseurs ou des cavistes ou des barman, mais on est plus dans le concret. Est-ce que toi de ton côté tu connais des. Beaucoup, en tout cas des projets comme le tien, un peu plus. J'ai pas envie de dire un peu plus start-up parce que c'est pas le coup, c'est pas le délire du tout, mais un peu plus dans la tech, dans le design, dans la com. Moi, je sais que je travaille en ce moment avec mon petit houblon qui propose des services d'accompagnement au web marketing et ce genre de choses. Je sais qu'en Aquitaine, il y a Open qui fait du plantage de houblon, de la pelletisation et ce genre de choses. Est-ce que tu connais des gens un peu qui sont pas du coup dans la prod de bière, ni dans la distribution, mais qui ont quand même des atomes crochus avec le milieu brassicole comme toi? Après, des atomes crochus avec le milieu brassicole, peut-être pas forcément, si ce n'est qu'ils aiment la bière. Mais Aura Technologies, dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est un incubateur qui est principalement tech, hein, qui est numérique, robot numérique même. Donc, moi, je suis arrivé là parce que j'étais sur le territoire saint-quentinois et que je souhaitais développer une plateforme de vente en ligne. Donc, j'avais vraiment le minimum requis pour intégrer ce truc-là. Mais il y a d'autres projets qui sont sur de la robotique pour désherber les champs, pour créer des plateformes de mise en relation, enfin des trucs beaucoup plus complexes. C'est des gens qui sont moins qui sont beaucoup plus dans le software. Et là, c'est intéressant parce que les retours sont pas du tout les mêmes que ceux que je peux avoir des brasseurs qui me posent des questions beaucoup plus techniques par rapport à la matière et à l'usage du tabouret, alors que là, ces mecs-là, ils vont me dire: ah ouais, et du coup, mais comment est-ce que tu envisages de te rémunérer? Quelle est ta chaîne de valeur? Ton modèle économique? Est-ce que tu as déjà fait ci, ça, ça? Et du coup, bah, c'est là où j'ai plus ou moins tout appris sur le milieu de la start-up, en sachant que quand je suis arrivé là-bas, la différence entre le hors-taxe et la TVA, c'était encore flou, quoi, pour moi, parce que Ouais. j'avais pas du tout eu d'accompagnement précis pendant mes études sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc un peu. Enfin, faut vraiment savoir s'entourer. Je sais de quoi je parle. C'est quoi ton cap pour 2020? Alors, on sait qu'on a tous été plus ou moins ralentis là-dessus, mais là, du coup, tu disais. Donc, l'usinage a pris un peu de retard. J'ai vu, je t'ai Ouais, du suivi coup. un peu. Ah, ça a En tout coupé, je cas, crois que c'est bon, c'est reparti. ouais. Non, c'est bon. Tu Ok, peux tu refaire ta reprends. phrase parce que t'as coupé. Pas de problème. Non, je disais, pour 2020, du coup, c'est vrai qu'avec ce qui vient de se passer avec le Covid-19, là, ça a été beaucoup de remises en question, forcément. Moi, j'ai quand même la chance de pas. Enfin, j'avais pas prévu de me dégager de salaire avant un petit moment, quand même. Donc, je suis pas impacté financièrement par rapport à ça. Mais du coup, le temps que j'ai pu avoir avec tout ça, ça m'a permis de vraiment travailler sur du détail, de travailler sur des choses que je négligeais jusque-là, parce que bah forcément, je le disais, avec toutes les casquettes qu'on a, au bout d'un moment, on se met des petites choses qui sont bien chiantes de côté, et on y revient quand on a le temps. Mais là, j'ai vraiment bossé sur plein de choses. J'ai trouvé le moyen, techniquement, là pour le coup, c'est la casquette de designer produit qui parle, mais j'ai trouvé des solutions pour réduire mes coûts de production de tabourets. J'ai trouvé des partenaires industriels pour les pièces autres que celle en drèche de brasserie, pour que ça soit à la fois toujours éco-responsable et que ça ait de la gueule, hein, tout simplement. C'est aussi au-delà du bon, il y a le beau. Et même pour donner l'exemple, une petite anecdote, mais le thermolaquage de mes pièces en métal, elles sont faites aujourd'hui par un thermolaqueur chez qui on récupère les poudres utilisées dans d'autres productions pour pouvoir faire la production de nouveaux tabourets. Donc en fait, on revalorise absolument tout ce qu'on peut, on fait attention aux moindres détails, et il n'y a pas que la drèche qui compte. Et quand je parlais d'Instead tout à l'heure, c'est exactement ça l'objectif, c'est de se dire: mais attendez, vous avez plein de poudre que là, vous allez envoyer en destruction, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'autre avec? On le remet à l'entrée de la production, et le fait que les poudres soient mélangées, on a une texture qui est exclusive et qui en plus fait du bien à la planète. Donc en fait, c'est vraiment ça que j'ai pris le temps de mettre en place.
Et aussi, le plus important presque, parce que j'aurais jamais eu le temps de le faire, parce qu'initialement la production elle était prévue au mois d'avril, d'une première série d'une centaine de tabourets. Et en fait, pendant le confinement, je me suis dit que ce qui serait bien cool quand même, c'est que pour les expositions qui vont être faites dans le cadre de l'île Capitale Mondiale du Design, où le projet a été retenu, ce serait quand même de pouvoir servir la bière sur laquelle vous allez être assis. Et littéralement, cette expérience-là, je voulais quelque chose qui claque, quoi. Donc, Le en fait, pitch de ça, il est trop bien. Le pitch de ça, de boire une bière assis sur les déchets de la bière que tu es en train de boire avec un sous-bock de ta bière, c'est ça, génial. exactement l'histoire, l'expérience, en tout cas le souvenir que la personne va avoir de tout ça, il est quand même fort. Et donc, en contactant une brasserie qui est juste à côté de chez moi, qui est la Germoise, je l'ai contacté en lui proposant de faire une bière en collaboration. Parce que voilà, moi, pour le coup, j'ai absolument pas de matériel pour pouvoir brasser suffisamment pour produire les 10-15 tabourets. Mais du coup, on a brassé la bière qui s'appelle la Release, qui sera la bière de lancement et qui en fait est une British Strong Ale. Donc, une bière bien sur le côté céréales, bien maltées. On a 5 malts différents. Et du coup, les 360 litres qu'on a mis en fermenteur vont nous permettre de pouvoir embouteiller environ 1000 bouteilles, mais surtout pouvoir fabriquer entre 10 et 15 tabourets. Donc, ça, c'est précieux pour pouvoir aller dans les bars, aller dans des lieux où on va faire des vernissages pour raconter cette histoire, quoi. Trop bien. Donc, ça, c'est un. Là, c'est ce que tu as posté en début de semaine sur ta story Instagram, là, le fameux brassage. Ouais, Tu t'es vu en exactement. train de concasser du malt, ouais, c'était ça? C'est ça, exactement. On a fait ça mardi. Là, on est encore pour 3 semaines, 1 mois de fermentation et je bosse sur l'étiquette en parallèle. Donc, pareil, ça, c'est un gain de temps pas possible de savoir gérer la partie graphisme, la partie. Enfin, d'avoir surtout des connaissances et des gens qui ont la main sur le cœur et qui, par rapport à ce projet-là, sont hyper ouverts et pour qui ça fait Les du bien. brasseurs, enfin, tu le sais autant que moi, mais on est quand même dans un milieu plutôt bienveillant. Il reste du taf à faire sur la parité, ça c'est évident. Mais on est quand même sur un milieu bienveillant, plutôt fun, avec des gens qui sont ouverts. Tu peux le voir tout comme moi quand tu vas sur des salons où tout le monde tire dans le même sens, tout le monde essaye de se tirer vers le haut. C'est quand même un milieu qui est plutôt feel good parce que bon, on a un peu entre guillemets un ennemi commun de l'Indus, ça aide de pouvoir faire ça comme ça, mais je pense que ton projet, quand tu vas voir des brasseurs, t'as tout de suite une oreille attentive ou en tout cas qui a une espèce de curiosité qui est créée quoi. Bah c'est ça, ouais, exactement. Et puis en tout cas, ne serait-ce que le côté innovant de vouloir tester un peu et de se dire que bah tiens, la bière que je viens de brasser, elle va devenir des tabourets, c'est aussi valorisant pour le brasseur. Et moi, l'objectif, c'est pas de dire oui, non, c'est juste des tabourets en drèche de brasserie. C'est de dire c'est des tabourets en drèche de brasserie de tel brassin, de telle brasserie d'il y a tant de temps. Et c'est pour ça que c'est encore plus intéressant avec les bières éphémères, parce qu'on va avoir des tabourets avec du détail en termes de texture, de visuel, qui vont être exclusifs à chaque fois. Ça, c'est Ça, chouette. sur le produit, tu vas le noter. Je veux dire, il y aura une partie avec une inscription, une gravure sur le tabouret pour savoir, typiquement sur une bière, tu as une étiquette, une sorte de traçabilité sur le tabouret. Ouais, carrément, ça c'est. Je sais pas encore comment, parce que pour l'instant, je vais faire un tabouret sur lequel je peux m'asseoir. Après, je réfléchirai à la communication autour de ça. Mais peut-être qu'il y aura une carte, peut-être qu'il y aura quelque chose. Je sais pas encore sous quelle forme. Mais depuis le départ, c'est vraiment l'idée, c'est de savoir que. Enfin, quand tu reçois ton tabouret qui, d'ailleurs, entre parenthèses, arrive démonté, tu as presque même la bière qui t'est livrée avec pour pouvoir la boire une fois que tu l'as montée et être Ouais, récompensé un triple d'avoir. packaging à faire qui est Ah cool. Sachant que j'ai cru voir ton packaging, il est pas très grand, hein, c'est pas fat, hein. non, c'est celui qu'on voit là d'ailleurs, hein, Ok. c'est tout petit. C'était l'objectif parce que le flat pack, en fait, aujourd'hui, c'est quand même vachement synonyme d'IKEA. Ouais. De manière générale, sauf que ça n'a pas que des valeurs économiques dans un transport. Si je transporte deux tabourets comme ça, là, comme on voit dans ma voiture, avec un carton comme ça, je peux en transporter 20 pour Ah la ouais. même place. Donc, en fait, la réflexion, elle est encore une fois sur tous les détails. Ça, c'est une réflexion que tu as dès le design, dès la créa, en disant que ce que mon tabouret, il faut qu'il soit démontable. Ah bah Ou ouais, ça c'est vient cahier des après? charges. C'est le cahier des charges, c'est le design verbal. C'est de se dire, avant toute chose, il faut que ce soit comme ça. Et ensuite, ça nous aide à dessiner, parce que avant de savoir comment on va le faire, au moins on sait que
que là, techniquement, oui, c'est démontable. Après, le démontable, ça a aussi beaucoup de contraintes. Parce que moi, je voulais un produit qui soit aussi personnalisable, dans le sens où on choisit si on veut des pieds en métal ou si on veut des pieds en bois, sa couleur, sa taille. Donc, il fallait que la solution soit assez uniforme. En termes de design, ça a été un boulot monstre. Le produit, j'ai pas encore donné beaucoup de détails dessus, mais dès que j'ai les premières pièces, du coup, qui devraient arriver fin juin, début juillet, là, il va y avoir un peu plus de com sur comment c'est fait, comment monter, et en termes de résistance, en tout cas, on est bien tranquille sur ce sujet-là. Super excité par ton projet, moi ça me fait bien kiffer là. Et en plus je trouve que en vrai, sincèrement, et sans te brosser l'encens du poil, le design je le trouve vraiment cool. Plutôt arrondi, moi j'aime beaucoup. Tu t'en parlais déjà un peu, tout ce côté éco-responsable, écologie. Tu as un projet quand même qui transpire ça. Ce qui semble normal pour pas mal de gens, je trouve maintenant, où on n'est plus obligé d'avoir ce tampon éco-responsable ou comment valorisation de déchets. Enfin, on n'est plus obligé de le mettre maintenant, en fait, c'est des choses qui sont à peu près normales. Ma question, c'était, est-ce que c'est ça vraiment qui fait la différence quand tu vas démarcher un acheteur, cette étiquette verte, ou c'est le produit d'abord? Ben, pour le coup, c'est un tout, hein, parce que je pense qu'on n'achète pas un produit éco-responsable mais moche, ou alors beau et hyper polluant. Aujourd'hui, c'est toute la question, en fait. Et je pense que c'est un juste milieu, un bon équilibre entre tous ces critères-là. Et surtout, le dernier critère, parce qu'au-delà de l'aspect esthétique et de l'aspect environnemental, il y a aussi cette notion de forcément économique. Et un tabouret qui est éco-responsable, peut-être beau, mais qui coûte 300 euros de plus que n'importe quel autre produit, ça ne se vendra pas. Donc il faut aussi, dans le design verbal du produit, dans le cahier des charges, se dire qu'il faut qu'on table sur du mobilier haut de gamme, made in France, pour le même prix, mais avoir en plus une carte éco-responsable. Et voilà. Donc en fait, c'était ça finalement le plus dur, c'était de trouver une solution pour que, à la fois, ce soit industriel, que ce soit économiquement abordable, que ça soit pas non plus vendu à 50 euros le tabouret. C'est pas non plus l'objectif, en tout cas économiquement. Ouais, faut que tu Moi, gagnes ta vie aussi, hein. je m'en Non. sortirai pas. Mais là, pour donner une idée, puisque là, la réflexion, elle tourne quand même beaucoup autour du financement participatif pour la fin d'année et une livraison des pour Noël, c'est d'avoir les premiers exemplaires en métal, donc la première collection, à 189 euros. Ok, Ce qui c'est pas excessif, hein. c'est pas excessif, c'est vraiment là pour le coup, c'est pour la campagne. On va être légèrement au-dessus de la barre des 200 à l'unité, hein, je parle, et en TTC. Donc pareil pour les brasseurs, c'est hyper intéressant parce que sur la quantité et en hors-taxe, c'est des prix qui défient la concurrence, en tout cas européenne, ou en tout cas certainement française. Ouais, et puis je pense que ce soit des brasseurs ou des bars, il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'économie de l'économie sur le mobilier notamment, et qui s'en mordent les doigts. Enfin, combien de personnes, t'as déjà dû sonder un peu, mais combien de personnes ont acheté du mobilier chez des chaînes de low cost pour finalement se retrouver à devoir racheter le double du prix parce que ça n'a pas tenu dans l'année, quoi. Mais exactement, et au-delà de ça, en fait, nous, ce qu'on va proposer pour conforter aussi les acheteurs, c'est de se dire que si demain il y a un problème avec un pied, s'il y a un problème avec une assise, s'il y a un problème avec n'importe quelle pièce, nous, on s'engage à renvoyer ou à revendre, en tout cas si c'est pas pris en garantie, à revendre les pièces à l'unité. Donc s'il y a un pied qui casse, c'est pas poubelle. Le fait d'être démontable aussi, ça donne accès à ça. Parce que du mobilier très haut de gamme, on en trouve. Parfois, les tabourets sont collés, ça se décolle, demain c'est foutu. Soit il faut le renvoyer, soit il faut que ça reparte chez un restaurateur. Enfin, ça a un coût à la fois économique et environnemental. Et là, l'objectif du démontable, c'était aussi de se dire, demain, il y a un mec qui s'est balancé sur un seul pied, il faisait 150 kilos, il a cassé. Bah, ce qui est normal si on prend un tabouret en bois. Nous, derrière, on rend le pied à l'unité. On ne prend pas un tabouret. Et c'est aussi ça la démarche éco-responsable derrière Instead. Jusqu'au bout de l'éthique, du produit et de la boîte que tu as en fait. Ouais, exactement. En fait, il n'y a aucune fausse bonne intention dans tout ça. Pour terminer sur l'anecdote, des solutions à 100% de brèche, on en a, sans rien rajouter. On en a trouvé. Sauf que les facteurs sont tellement énergivores que, en fait, on a du 100% naturel, 100% biodégradable, ce qu'on veut,
sauf que ça pollue plus que la solution que j'ai à 98% aujourd'hui. Ok. Donc il y a vraiment cette réflexion de la matière, de la formule, et c'est pour ça que ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus. C'est clair que 2 ans et demi, pas avoir sorti un tabouret, c'est frustrant, comme je le disais tout à l'heure. Mais derrière, le résultat, il est différent. Il est différent et unique. À l'image des gens qui ont acheté un pauvre mobilier, qui ont dû racheter quelque chose, là, toi, tu as le temps de la réflexion, le temps de faire mûrir le projet, d'avoir un produit qui te plaît et qui est adapté aussi, parce qu'il y a tout le temps ça, hein. Tu peux faire un produit qui te plaît, qui est à 100% en accord avec ce que toi, tu vois, ta vision, et puis tu le présentes à des acheteurs et ils disent, bah, pas besoin de ça, en fait, on a déjà des solutions. Écoute, j'ai Pierre-François, qui est un habitué du live, qui demande si tu comptes participer au design. Ah, tu fais de l'étiquette, tu fais du graphisme un peu visuel? Bah ouais, là, l'étiquette que j'ai faite pour notre bière de lancement, c'est moi qui ai fait le visuel Et que je bah là, partage. la question c'est, est-ce que tu voudrais faire l'étiquette pour la prochaine Norton Monk créée par la communauté? Mais je crois que c'est réservé aux Anglais du Nord, je crois, Pierre-François. Tu Bah l'as tu vu ce vois, truc, Franck? j'en ai jamais entendu parler, non, et du coup, je regarderai quand même par Northern curiosité. Monk, c'est les fameux brasseurs anglais là, tu sais, Ah, qui ont des étiquettes Northern qui se Monk, je connais bien, décollent. ouais, je connais bien la brasserie. Par contre, je savais pas qu'ils faisaient un concours Ouais, il y a un de concours d'étiquettes, mais je crois que c'est même Tang qui a fait ce t-shirt d'ailleurs. C'est Tang qui m'a dit que c'était réservé aux Anglais, parce que côté communautaire et ça reste ensemble. Est-ce que j'avais d'autres questions? Je crois que oui, mais j'en ai une qui m'est venue. Elle est partie assez vite. Ouais, bah, je vais poser des questions à la con, mais comment on peut te soutenir là? Là, t'es parti en usinage, on peut te suivre sur tes réseaux, et donc peut-être ce projet de crowdfunding pour un peu booster le truc? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est de suivre un peu l'aventure sur Instagram, donc sur Insted Mobilier, de voir un peu comment les choses vont évoluer, parce que je partage beaucoup en story là-dessus, et donc du coup, c'est forcément répercuté sur Facebook également. Mais c'est un peu là-dessus qu'on va annoncer tout ça. Et ouais, bah, pareil, sur le crowdfunding, on a pensé à pas mal de contreparties. Il y aura forcément des tabourets, des lots de tabourets, mais aussi des sous-bocs. On a prévu de travailler en collaboration avec Happy Dresh de Lille qui eux font des snacks, du muesli, des cookies à partir de dresh de brasserie. Donc on va faire quelque chose ensemble, quelque chose d'assez exclusif, de pouvoir en fait vous livrer la bière, le sous-bock, les cookies et tout ce qui va avec en fait pour fermer cette économie circulaire, quoi, fermer cette boucle. Arnaud, qui est barman au Delirium de Nantes, là, qui nous demande si, j'avoue que la question est plutôt intéressante, est-ce que ta compression de Dresch, elle pourrait être faite de manière ambulante? Typiquement, est-ce que tu peux faire une sorte de petit tour des micro-brasseries et puis tu vas valoriser leur Dresch? Il précise que maintenant, les brasseries ont souvent des taprooms, donc ils chercheraient justement du mobilier pour habiller leur taproom, perso, d'avoir leur propre Dresch, quoi. Leur propre mobilier de leur propre dresh. Bah après, ça c'est carrément possible. En fait, après, si vraiment il y a un batch de dresh bien défini de laquelle on veut faire du mobilier, c'est une logistique un peu plus précise. Maintenant, nous, on ne peut pas mouler sur place dans un camion en itinérance. Ça demande quand même de l'énergie, ça demande des machines, ça demande pas mal d'outillage. Donc ça, sur place, c'est pas possible. Par contre, ce qui est prévu, c'est de presser la dresh sur place pour évacuer toute l'humidité au maximum, en tout cas, pour pas transporter de l'eau, l'amener du coup sur le spot de séchage et après transformer juste à côté, quoi, mouler juste à côté Ouais. et réserver. En fait, l'avantage dans ce process-là, c'est que on met la matière, on presse, on sort la pièce. Donc, on est capable de gérer la provenance de la dresh en fonction des types de bière, quoi. Potentiellement, en fait, pour répondre à la question d'Arnaud, c'est à la place où tu envoies les dresh et tu récupères tes tabourets après. Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, faut que ce soit dans le coin aussi, forcément. Je vais pas aller faire 400 km tout de suite pour aller récupérer des dresh, les ramener. Faut pas que ce soit contre-productif non plus. Mais Ouais, par mais vu contre, que dans 2 ans tu seras multinational et tu pourras évaluer un petit peu les coûts écologiques et économiques des choses, tu verras les gens. Ou alors les gens ils te rencontrent sur un salon et t'arrives à synchroniser ça. Genre bah. t'arrives avec ton camion à Saint-Malo, je pense, on parle souvent, mais t'arrives au festival de Saint-Malo et les brasseurs viennent et avec leur cam et leur dresh, tu les récupères, ils les récupèrent pour le salon de Lyon et machin.
Bah ouais, après, franchement, ça c'est quelque chose que moi je veux essayer d'étendre à l'échelle nationale, de trouver une solution qui soit profitable pour tous les brasseurs qui en tout cas en ont réellement besoin et puis créer de la valeur à travers tout ça. Parce que le mobilier et les sous-box, c'est un truc, c'est le truc qui va faire connaître le projet, c'est le truc qui va commencer à faire gagner de l'argent pour aller vers d'autres projets. Mais je pense déjà à d'autres domaines d'application, de potentielles collaborations avec d'autres designers. En fait, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui cherchent des solutions éco-responsables, à des produits qui existent déjà. Donc demain, une collaboration, pour rendre plus éco-responsables des produits, qui existent déjà sur le marché, c'est aussi une volonté. De toute façon, la volonté, c'est pas de faire du profit à travers cette casquette écologique, c'est aussi de pouvoir jouer. De remplacer et de trouver des alternatives à des ressources qui se raréfient ou fossiles, quoi. À la base, tu pars de Dredge, mais ça peut être autre chose en fait, potentiellement. Ah bah ouais, après là aujourd'hui, moi la dreff, je la mélange avec des matériaux qui sont déjà issus de filières durablement gérées ou recyclées ou tout ce qu'on veut. Je fais attention à tout ça, mais demain, si c'est pas la dreff et que c'est autre chose, c'est l'objectif. Et c'est pour ça que j'ai choisi Instead, qui soit un mot, qui soit un nom qui soit pas forcément en lien direct avec la bière. Parce que si demain je veux diversifier mon offre et proposer des déchets issus, je sais pas, de la distillation, des déchets issus d'autres filières, c'est possible, quoi, d'autres process. Super. Bah, je sais qu'il y a Bout à Bout qui fait dans la consigne bouteille. Je pense que tu Ah, leur as pas mal. je les avais rencontrés. Tu les avais rencontrés, ouais. Mais ils étaient. Moi, je les avais rencontrés en 2019 au Beer Fest des Brassés, tu vois. Je crois. Un truc comme ça. Bah ouais, on y était. Ah oui, au 2019 peut-être, ouais. Moi, 2018, je les avais déjà croisés à ce moment-là, je Ils ont crois. peut-être fait toutes les éditions, hein, c'est possible. Écoute, Franck, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je sais que je vais suivre ton projet de près et vivement ce crowdfunding. J'espère être dans les premiers là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. Donc, c'est quoi le mieux pour toi? Un peu tout, quoi. Ah, Tu c'est abonnes à toutes les Instagram, pages. c'est quand même là où je suis le plus actif, quoi. Ouais. Donc, Instagram, c'est Instead Mobilier, c'est ça? C'est ça. Instead Mobilier. Allez-y, allez-y. Vous avez les liens. Je vous ai mis les liens dans la description. Et puis, ben, écoute, si c'est bon pour toi, c'est cool pour moi aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je me suis ouvert la petite bière en retard du live de la semaine dernière. Opération du coup de pointe de la brasserie Opéra avec le Bubar et la brasserie de la Muse en Vendée. Merci Franck, pardon. Merci Franck d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que c'était agréable pour toi. Bah carrément, ouais, c'était hyper plaisant. Merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui ont été là pour écouter le projet. Et puis en tout cas, n'hésitez pas, sur Instagram, j'essaie d'être le plus actif et le plus présent possible. Ok, merci Franck, et puis je te rappelle plus tard pour faire un petit débrief de tout ça. Avec grand plaisir, il n'y a pas de Merci problème. à toi, suivez Franck. Bientôt. Salut. Salut. Ok les potes, c'était cool. J'avoue que ce projet-là, il m'a bien botté. C'est cool d'avoir des acteurs du milieu brassicole différents, en tout cas. Et ça va me pousser vers la transition de la suite des annonces. Est-ce que ça a été pour vous de votre côté? On a fait un petit pic à 20. Je pense que tout le monde est parti à la plage aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis ouvert la petite opération du coup de poing dont je parlais dans le Craft Beer Live numéro 6. Donc une Imperial Sour brassée avec de la groseille et du cassis. Avec un super visuel, j'adore, vraiment dans le thème. Vous pouvez en trouver sur Nantes au Bubar et dans les cavistes aussi, évidemment. Est-ce que vous avez répondu à la question? Je regarde un petit peu ce que vous m'avez répondu sur le sondage pour connaître la fréquence du Craft Beer Live. Ouais Thibaut, si t'as pas eu l'occasion Thibaut de boire ce truc, franchement c'est cool à partager, même si moi je suis pas un bon exemple, je vais pas le faire. Ok, vous êtes déjà 8 à avoir répondu au sondage, c'est cool. Donc vous avez le sondage qui est apparu dans votre chat, je crois. N'hésitez pas à répondre pour essayer de trouver un petit peu la fréquence des prochains Craft Beer Live. Je me pose pas mal de questions. Moi je fais ça à titre gratuit, donc c'est cool. Moi, à chaque fois, ça me botte, surtout sur des invités comme Franck, où je peux découvrir en même temps que vous. C'est pas des gens que j'ai pu côtoyer.
Pierre-François, tu me dis, c'était ouais, c'était un peu traître. Ouais, j'avoue que c'est un peu traître et Stéphane Dubébard me l'avait exactement vendu comme ça. Mais ce côté acide, mais un peu gras et tout, on sent vraiment qu'il y a du taf. J'ai l'impression qu'il y a du lactose alors qu'il n'y a pas de lactose. Bref. Très bientôt, comme j'ai pu vous le dire, je travaille avec une graphiste, avec mon petit houblon que je salue s'ils sont là. Il y aura sûrement une refonte du logo, de la charte graphique et du nom de cette page pour coller un petit peu plus avec mes activités. Donc, pour rappel, je fais des ateliers de dégustation de bière et d'initiation à la bière. Donc, si vous avez des amis, que vous soyez initiés, que vous soyez des passionnés de bière, des amateurs, que vous soyez avec votre oncle qui boit que de la Pelleforte et vous avez décidé de prendre les choses en main, ou des épicuriens parce que vous avez l'habitude de faire des cours de cuisine ou d'aller faire des dégustations de vin, ce genre de choses. N'hésitez pas à me contacter, on peut le faire à votre domicile. Là, j'en ai quelques ateliers de prévus, donc je vous mettrai des photos, ça vous permettra de vous faire une idée. En gros, je viens chez vous avec des verres, avec des bonnes bières. On se fait 2 heures de dégustation, mais dans votre canapé, au lieu de le faire par écran interposé. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens juste en dessous ici. Et puis, avec la réouverture des bars et des restos, et c'est une super nouvelle. On va pouvoir relancer des visites de brasserie. Stéphane Dubulbar, si tu m'entends, on va relancer ça. Donc, si jamais vous êtes amateur de bière et vous n'avez jamais visité une seule brasserie, n'hésitez pas à me contacter non plus aussi. On peut se faire ça rapidement. Et puis, j'ai un atelier à thème qui va bientôt sortir, qui parle des IPA, mais pas que, qui va beaucoup parler du houblon, des bières houblonnées, de ce qu'on en fait. Donc, c'est un atelier de 2 heures. L'idée, c'est de pas balancer des choses que vous connaissez déjà sur les bières amères, mais de connaître un petit peu plus ce que vous buvez pour tous les amateurs de bières amères, de bières très houblonnées, que ce soit de la bière de la Easy IPA, de la NEPA ou vraiment des trucs un peu plus West Coast. N'hésitez pas à me contacter. Je vous fais la petite transition parce que je suis assez fier de vous présenter ma prochaine invitée. Et quand je dis ma prochaine invitée, c'est vraiment ma prochaine invitée. Alexandre, ça t'intéresse les visites? Bah écoute, on va gérer ça tranquillement. Ma prochaine invitée, ce sera Caroline Cailly, que vous connaissez peut-être, pas personnellement, mais vous connaissez peut-être son taf. Caroline, elle a plein de jobs, ou en tout cas, elle a fait plein de jobs. Elle a été caviste, elle a été barmaid, elle a été consultante bière. Donc, c'est elle qui est derrière le blog Hoppy Hours, qui est un blog dédié à la bière. Et qui a des articles qui sont pas des articles communs. Enfin, ça parle vraiment de tout avec des sujets assez précis en fait. C'est pas des thèmes que vous avez déjà vus. Donc, je vous encourage à aller regarder son blog qui est hyper intéressant. Elle est aussi chef de produit bière pour les caves Nicolas. Et puis c'est elle qui a monté le fameux site Brewjob qui recense les offres d'emploi dans le milieu brassicole, donc que ce soit du bar, de la cave, du poste d'opération en brasserie, du commerce, enfin de la technique, du commercial, tout ça. Donc je suis hyper content de pouvoir accueillir Caroline du coup la semaine prochaine. Si vous avez compté les du coup, c'est que vous êtes des bons. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup à... Est-ce que dans le chat vous avez encore des choses à rajouter? Les visites ça m'intéresse? Non, non, non. Ok. Eh ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à Franck d'avoir été présent. C'est cool de pouvoir rencontrer des gens que je connaissais pas. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on se récupère dimanche prochain, c'est ça, on se récupère dimanche prochain. On se retrouve dimanche prochain, même heure, 17h30. J'espère que si vous avez été à la plage aujourd'hui, vous regarderez le replay. Merci encore à Vlad de sa présence la semaine dernière. La vidéo a fait un carton, on est à plus de 1300 vues.
Je m'attendais pas à ça, mais merci encore Vlad, si tu vois cette vidéo ou si t'es là. Encore merci à Franck, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, un très bon week-end, et puis on se revoit la semaine prochaine avec Caroline pour un bon craft beer live. D'ici là, continuez à boire local, prenez soin de vous, et puis à très vite, à dimanche prochain, salut!